C'est vraiment pas ce que je fais, mais... Hey, j'espère que vous allez bien, que tout passe très très bien pour vous. Alors, je vais très bien, alhamdoulilah. C'est pas de mes habitudes, j'ai une nouvelle idée de comment filmer mes hauls parce qu'en fait j'ai acheté ça, enfin ma mère a acheté ça et du coup c'est une très bonne idée de faire, de mettre bien les articles dans un cintre et les mettre ici. Et du coup, on se retrouve pour un haul. J'ai du mal à respirer. Shakespeare. Alors, je disais, donc on se retrouve pour un haul. C'est un méga haul. Frère, c'est le haul de l'année. Je parle pas niveau vêtements, mais je parle niveau prix en fait. One eternity later. J'espère que c'est vraiment fini. J'ai oublié quel mouche que call. Bref, en tout cas aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul. C'est un haul, t'as les soldes d'hiver. T'as janvier. C'est des soldes vraiment pépites frérot. Des pièces de folie à des prix de folie. Le haul va vous plaire. En plus, ce qui est génial, c'est que les articles, ça fait deux jours monsieur Tom. On est dimanche, le 8 mars d'ailleurs. Bonne fête à toutes les femmes. Bref, je disais, on est dimanche et je suis partie au centre commercial de la Bezoua. Je suis partie le jeudi soir et vendredi soir. Du coup, les articles, ben là que vous allez le trouver, ben là que non. Mais j'espère pour vous que vous allez le trouver. Et si vous ne trouvez pas ces articles, vous allez trouver mieux en tout cas. Parce qu'il y a des articles qui m'ont rendu compte de folie à des prix de folie. Sans trop tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à activer la cloche et laisser un commentaire si vous avez aimé et laisser un like, un pouce bleu. Et aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vais vous mettre derrière quelque part. Voilà, sur ce, je vous fais j'ai bugué, je vous fais d'énormes bisous. Alors, je les ai mis par ordre. On va commencer par Bershka. J'étais archi giga méga contente. J'ai trouvé une combinaison et oh my god, c'est exactement la combinaison que je voulais. C'est genre, je voulais exactement une combinaison pareille. Du coup, j'ai trouvé chez Bershka. Je suis rentrée par hasard juste pour voir Akaya et chez Bershka, il y a des articles de folie, des trucs à 500 dinars, des pantalons à 1200 dinars, pépite. Et je suis tombée sur cette jolie combinaison en jean. Oh mon dieu, elle est trop jolie. Je voulais exactement la même. D'ailleurs, je vous avais dit dans ma wishlist, je voulais des combinaisons. Et j'avais précisé sur des combinaisons en jean. Et celle-là, c'est exactement la même que je voulais en fait. Elle est trop belle. Et il y avait plein de tailles, du XS, S, M et L. Et devinez le prix. Bon, je vais vous dire, avant elle était à 7000 dinars. Donc elle était à 7000 dinars avant. Et devinez, je vais vous cacher le prix. Devinez à combien elle était. Vous allez pas me croire. Et oui, elle était à 1500 dinars. Je l'ai eu pour 1500 dinars. Vous imaginez une combinaison qui était à 7000 dinars. Et d'ailleurs, regarde les combinaisons à Kaidero, 7000 dinars, 8000, il a coûté 10000 dinars. Et ben moi j'ai eu à 1500 dinars. Et oui, je vais vous la montrer porter en tout cas. Et c'est l'achat du siècle en fait. D'ailleurs, j'allais acheter une combinaison qui était à 7300 dinars. Et dès que je l'ai vue, merci mon dieu, 1500 dinars, franchement, foncé. En tout cas, j'étais arrêtée vendredi. Et on est dimanche si vous voulez encore l'acheter. Normalement, qu'il y en a encore. Et il y a plein d'autres articles de folie. Et je l'ai pris en taille S. Voilà.
mon article préféré de... Non. Oui, il fait l'un, il fait partie de l'un de mes articles préférés de ma canne de chez. Ma sœur, elle a pris cette jolie jupe midi qui vient juste avec les genoux en fait. Elle est trop belle. Moi, je la trouve trop belle. Ça fait vu qu'on est neuf d'ailleurs, on peut pas tout porter à l'aise. Elle dit vous pouvez clairement la porter tranquille en fait. Voilà, j'ai tenu là juste mal les genoux et elle a pris en taille M et elle existe en plusieurs tailles. Et en plus, non, pas plusieurs couleurs. Il y a Kane Hadia, c'est un espèce de un verre d'eau en fait. Et Kane en rose crème, rose poudre avec un rose clair. Et devinez, avant elle coûtait 3900 dinars. C'était mieux que Serena Elof. Ou Doka, devinez Shalder. S'il vous plaît. Oui, oui. Elle est passée à 1500 dinars. Vous voyez, c'est. Franchement, j'ai fait les soldes d'été à août. D'ailleurs, je vous ai filmé une vidéo. Et franchement, les soldes tarsef, c'est zéro. Contrairement, comparé les soldes à les soldes d'hiver, en fait, c'est les soldes d'hiver, c'est la folie. Donc voilà, elle lui a coûté 1500 dinars. Et elle a pris en taille M. Et voilà, elle existe en XS, S, M et L. Voilà. Ensuite, on va passer chez Stradivarius. On a deux articles que vous voyez par là. Alors, on va commencer par un t-shirt qui est basique, qui fait grave esprit printemps, tout ça. Moi, je le trouve vraiment tarpin joli, sympa, que vous pouvez porter. D'ailleurs, c'est Urto Doka. Il est archi giga méga joli. Et lui, par contre, il fait pas partie des soldes, il fait partie de la nouvelle collection de Stradivarius. Et il coûte 1250 dinars. Pas cher pour un t-shirt qui est archi sympa en fait. Bzef, il a plein de jolies fleurs en carrière. Et voilà, du coup, elle a pris en taille M. Hada, c'est ma soeur qui l'a prise. Elle a pris en taille M et lui a coûté 1250 dinars. Hada, vous allez le trouver en tout cas parce qu'il fait partie, qu'il en retrouve de la nouvelle collection. Voilà, vous allez le trouver, gars, les tailles. Au deuxième article de chez Stradivarius, en fait, Hada. Attendez, je vais cacher le prix. Voilà, vous pouvez chercher comme surprise Hada là. Kim.com. Hada, c'est vraiment l'article du siècle. Même si Hada Tank, c'est l'article du siècle, elle a de la combinaison. Mais Hada, la robe blazer, en fait, c'est une robe blazer. Et Jaya Short, c'est mieux en fait. Short avec d'ailleurs, en fait, c'est une combi short en même temps, une robe short. Non, je sais pas comment vous expliquer. L'autre Jaya Short, c'est d'ailleurs une d'Arab Jaya Short où elle fait effet robe blazer. Ça faisait longtemps que je voulais une robe blazer parce que ça fait grave habillé, ça fait trop classe. Et le fait les Jaya Short, sachant que les robes blazer c'est court en fait, et le fait les Jaya en short, c'est-à-dire je vais pas être mal à l'aise, je vais bouger comme je veux, je vais danser comme je veux, je vais être libre, je vais me racheter une sphère en fait. Elle est courte, mais voilà. Jaya Akaro, et devinez le prix. Bon, avant elle coûtait 7000 dinars, 6950 dinars, ce qui fait 7000 dinars à la taxe et tout, ça fait 7000 dinars pile. Et devinez à combien je l'ai eu. Elle dit vraiment, vous allez pas me croire, vous allez vraiment pas me croire. Elle a dit que je l'ai vu. Je voulais même pas l'essayer, je l'ai prise. Bon, je l'ai essayé, mais dès que je l'ai vue, elle dit c'est sûr, je vais la prendre. Jenny Kibira, Sria, je la prends, je m'en fous. D'ailleurs, Jenny, je suis Kibira. Mais bon, en tout cas, elle dit figurez-vous qu'elle m'a coûté 950 dinars. 95,000. Même pas 1000 dinars. Elle m'a coûté même pas 1000. Voilà, regardez, je blague pas. Regardez. 950 dinars. D'ailleurs, même maintenant que je suis là, je suis partie chez le vendeur. Plus, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que c'est. Elle est vraiment à 950 dinars en fait. Parce que les robes blazer chez Zara, elles coûtent 10 000 dinars et tout. Bon, elle dit qu'elles coûtaient 7 000 dinars. Et
enfin de 7000 dinars, elle est passée à 950 dinars. Franchement, Reda, c'est l'achat du siècle. Franchement, c'est waouh. De toute façon, vous allez la voir porter et voilà, vous avez l'Hnaya Flamara. Au cas où vous perdez l'Hnaya Wahda ou là, vous allez avoir Wahda pour échanger. Voilà, du coup, c'est mon article préféré de ta guerre des achats parce que son prix, cool, surtout le prix 950 dinars pour une robe laser. Oh my god. D'ailleurs, même chez Stradivarius, il y a des soldes de, pas vraiment de folie, mais il y a des pièces vraiment, vraiment sympas. Il y a une combinaison qui est, une combinaison avec Arure qui est à 950 dinars. Si vous voulez aller chez Stradivarius, vous allez trouver votre bonheur. Ensuite, là, on va passer chez Jennifer. Ma soeur, elle a pris un article. C'est un haut qui fait vraiment effet classe. C'est un effet cache-cœur en bordeaux. Cette olive article, ils sont trop bons. Bref, elle a pris en taille L. Oui, il est un peu grand. Elle a pris en taille L. Ou un bonnet, vous pouvez faire un nœud. Et voilà, les manches longues, elle est à la douleur parce qu'en fait, le matin, il fait un peu froid et qu'il m'a la douleur. Donc là, il est 15h. Il fait chaud. Il fait chaud. J'allais vous dire, il fait un peu chaud, mais il fait vraiment chaud. Bref, du coup, Hedaya, de chez Jennifer, de base, il coûtait 2750 dinars et il est passé à 1900 dinars. Ensuite, il est passé à 1400 dinars. Ma soeur l'a payé 1400 dinars au lieu de 2750 dinars. Ça vaut vraiment le coup. Moi, j'adore. Ça fait grave effet classe avec un pantalon recaillé slim. Vous rajoutez ça fait vraiment waouh. En plus, l'effet cache-cœur, c'est grave tendance. En plus, ça fait grave habillé, ça fait grave classe. Voilà, depuis le temps que le cache-cœur, ça fait grave classe. En tout cas, vous allez le voir porter encore une fois. Et voilà, il a des élastiques au niveau des mains. Et ben voilà. Là, on va passer chez Zara. Je vais commencer d'abord par l'article qui m'a été offert. Enfin, c'est pas un article, c'est un objet. Bref, pour mon anniversaire, mes deux grandes sœurs ont cotisé. Ils m'ont acheté le coffret Zara. Je le voulais grave. Je voulais toi le coffret Lucille pour mon anniversaire. Je voulais grave ce coffret de chez Zara. En plus, le Twilight Mob, c'est mon parfum préféré de chez Zara. Ils sont. Oh my god, ils sont vraiment pépites. Du coup, voilà. Je suis trop contente de l'avoir reçu de la part de mes deux grandes sœurs. Et je sais qu'il coûte 2500 dinars. Si, au cas où vous voulez, en tout cas, il est toujours disponible chez Zara. Bon. Ensuite, en tout cas, chez Zara, j'ai jamais vu des soldes pareils en fait. Les pantalons sont à 1500 dinars. Oui, les jeans qui étaient à 5500 dinars, qui étaient à 5500 ou là, 5500, ils sont revenus à 1500 dinars. Je les ai essayés, mais j'ai oublié, j'ai vraiment chapé parce qu'ils ont une coupe un peu bizarre. Mais les jeans, je suis comme un brand, dans ma calée cuisse, ils ont chapé, sauf que j'ai oublié chapé parce que je suis un peu mec. Bref, vous avez les pantalons à 1500 dinars, vous avez des t-shirts à 750 dinars, vous avez des robes à 1250 dinars, vous avez de tout. Vous allez trouver votre bonheur, je vous garantis. Vous allez trouver votre bonheur. Et donc nous, on a pris deux articles chez Zara. Le premier article, ma soeur et elle a porté, c'était une miquette blanche avec du beige qui lui a coûté 1250 dinars au lieu de 5500 dinars, je ne sais plus. En tout cas, je suis vraiment désolée parce qu'elle a porté, je ne peux pas vous montrer mes cachards, mes trolls. Sinon, je vous l'aurais montré. En tout cas, je suis vraiment, vraiment désolée. Et le deuxième article technique de chez Zara, c'est une robe verte. En fait, c'était bizarre parce que mes soeurs, elles n'aiment pas les couleurs. Et quand ma soeur, elle a pris de la robe verte, j'étais contente parce qu'en fait, j'adore les couleurs. J'adore porter des couleurs. Et j'étais contente en fait parce que du coup, j'ai une nouvelle robe qui est verte. C'était la dernière pièce en tout cas. C'est la dernière pièce. Ma soeur, elle a pris de la robe en vert en taille XS, sachant que Zara, il taille vraiment grand. Mes autres marques, XS, c'est une vraiment soit.
سوف كو هاد لي اكس اس تاع زارا جاني شويه كبير اون va dire du coup هاد لا روب elle coûtait de base 5500 dinars je sais pas si vous allez voir le prix elle coûtait 5500 dinars et du coup elle est passée à 1900 dinars enfin voilà qu'elle a une étiquette et du coup elle est passée à 1900 dinars قلت لكم روحوا ضربوا طلع عند زارا صافي فريمون الكول هنا عندكم اون اسبيس دو فولون و تحت ثاني كان عندكم والله ما نحقش بزاف قصيره فوالا elle est pas vraiment courte c'est à peu près comme la jupe pour se mettre les genoux et voilà ça fait grave stylé grave habillé vous pouvez la porter avec des talons avec des baskets voilà si voilà dernier article que Tanik Maouch Maya où il fait pas partie des vêtements mais ça vaut vraiment le coup c'est une bougie de chez Zara Home qui coûtait de base 2950 dinars à la taxe ça fait 3000 dinars en fait qui est passé à 600 dinars s'il vous plaît 600 dinars Maouch Maya la bougie elle est tombée ou du coup en tout cas je vais essayer de vous mettre une photo là ou là quelque part j'ai pas trouvé la même alors la même bougie exacte sur le site mais j'ai la photo que je vais vous mettre là il fait un judge autour de la bougie j'ai un blaze judge là voilà j'ai juste une bougie qui est vraiment cupide là et du coup qui a coûté 600 dinars au lieu de 2950 voilà tout donc la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a vraiment plu foncez et foncez j'ai eu le centre commercial de Zoa achetez-vous pour acheter à l'aide ou n'êtes-vous pas parce que vraiment ça vaut le coup un poulet libre je n'ai pas acheté mais un poulet libre les jeans à 1250 dinars mieux comme ça chez Nelf fonce et fonce chez Huaïd tu vas pas regretter en tout cas les articles qu'il ne te fera pas qu'il ne te fera pas et voilà en tout cas voilà tout n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à activer la cloche à liker laisser un commentaire me suivre sur les réseaux sociaux et voilà en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je vous filme pour la prochaine vidéo et aussi j'ai oublié de vous dire mon haut vient de chez Zara c'est une ancienne collection ça date de avant que je parte en France 2017 okay. Mais bon voilà en tout cas au moins comme ça c'est voilà je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo